Coucou. OVNI, attention au danger, comme je l'ai dit. Hein. OVNI sur les racks. Voilà. Comme ça, je vous balancerai les deux vidéos. Parce que comme elles sont courtes, hein, je ne vais pas non plus. C'est parti. Bernard Bidault. Alors, OVNI sur l'Irak. Lors du bombardement de Bagdad par les avions américains, un immense OVNI de forme triangulaire fut observé dans le ciel. Ce qui est curieux, c'est que des OVNI du même type ont aussi été observés au-dessus des terrains militaires ayant servi de base de préparation aux bombardiers américains. Alors, de forme triangulaire, mais là il dit un immense OVNI de forme triangulaire. Alors je pense aux Terre 3B, tous américains, mais là je pense que c'est complètement différent. Là c'est quelque chose qui n'est pas du tout militaire. Ce qui est curieux, c'est que des ovnis du même type ont été observés aussi au-dessus des terrains militaires et ont servi de base de préparation aux bombardiers américains, et ce dans l'état de New York à la même heure. En plus, à la même heure, tout de malade. Comme si les aliens savaient à l'avance le point de départ et la destination des sept armadas. Au-dessus du centre de Bagdad, le 17 décembre 1998, vers 2h30 du matin, un ovni triangulaire, encore une fois, fut filmé par la caméra nocturne de la chaîne TV américaine, CNN. L'engin filmé en direct était en état stationnaire dans le ciel de la ville. Peut-être qu'on peut retrouver ce genre d'ovni, tiens, sur YouTube. Il se déplaça légèrement sur le côté lorsque la DCA irakienne commença à tirer sur lui. Il faut donc accepter que soit une intelligence était à l'intérieur de l'ovni, soit que celle-ci était téléguidée. Mais enfin, ils disent pas ce qu'il y a eu sur l'ovni, hein. Ils ont tiré dessus. Mais à mon avis, t'as beau tirer 1400 ou 1300 obus comme en 1942, je crois. Los Angeles, je sais plus quoi, la bataille de Los Angeles, avec des vaisseaux, mais avec des ovnis plus petits. Ils ont balancé 1300, 1400 obus dessus, enfin de tir. Ça n'a rien fait du tout. Voilà. Tu vois déjà le truc? Bon. Donc c'est même pas la peine d'insister. Alors, ovnis sur l'Irak. Par contre, ils ont fait le film, je trouvais vraiment. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Rien à voir. Los Angeles, je sais plus quoi, la bataille de Los Angeles, ou Invasion Los Angeles, ils ont fait un film dessus, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc je vous coupe là. Merci. À bientôt. Dans 2 jours.